Salut tout le monde, c'est Genis. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très 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 bien, merci. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau let's play sur la chaîne. Comme vous pouvez le voir, sur Space Marine Warhammer 40 000 2. Warhammer 40 000 Space Marine 2, comme vous voulez. Nous allons partir. Je ne connais absolument rien à l'univers Warhammer 40 000. Je connais un peu les bases évidemment. Mais tout ce qui est spécificité, chapitre, etc. Je ne connais rien du tout. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez. Me dire des choses sur le lore, parce que le lore a l'air exceptionnel. On va partir. J'ai fait quelques essais. Le jeu tourne bien. On va partir maintenant pour la nouvelle campagne. Je vais vous laisser les sous-titres, vous me dites. Vous me direz si ça vous plaît ou je les enlève pour l'immersion. Mouvement de flou classique. Le 7 points. Évidemment, je serai à la manette. Alors, nous avons le mode facile. Transporter des hordes de... défendez les idéaux de l'Empereur. Battez-vous aux côtés de vos frères de bataille pour établir la supériorité de l'humanité au sein de la galaxie. Équilibré, son moyennement agressif, une bonne gestion est indispensable. Je ne connais pas le jeu, donc on va partir sur du normal. Et on va se dire tout de suite après la cinématique de début.
Squad, test vox. Je répète, commandant de la kill team à Squad, test vox. Sakir, nous nous sommes écrasés de votre position. Est-ce que vous avez la bombe virale? Bon sang. Et bienvenue dans ce jeu. Il est magnifique. Je suis en élevé, pas en haut, pas en ultra. Mais le jeu, il est super beau. On va prendre notre temps. On va découvrir tout ça. Déplacement vers le sud. Perdu contact avec Fred. M'approche de l'installation de lancement orbital. Sécurisation. Gelstros, Ulfar. Je rejoins le site du crash, vous me recevez? Les signes du commandant. Négatif, aucun contact depuis le crash. Je suis là, bon sang. Gelstros, vous avez le commandement. Quels sont vos ordres? On va suivre le plan. Lancez la bombe virale dans la stratosphère. La faire exploser. Et regardez mourir les tyrannides. Un spectacle prometteur. Le transmetteur doit être hors service. Putain. L'invasion est gigantesque. Un petit épée tronçonneuse là, j'aime beaucoup. Et on m'agonte. Ils ont dû envahir toute la zone. Tellement badass, hein, Space Marine. Regardez-moi ça. Il est pas beau sans déconner. Putain. Bonjour mes petits lapins. Voilà les gars. Moi je tronçonne les gars. Les dégâts réduisent votre blindage. Le blindage se régénère après un léger temps d'attente. La santé perdue peut être récupérée en infligeant des dégâts. La ligne blanche indique le montant maximal de régénération. Ok. En tout cas, pour l'instant, c'est très très beau. Bon, ça doit être le tuto, hein. On peut sprinter. Où est cette foutue bombe virale? Alors maintenant, RB pour terminer une combinaison d'épée par une attaque. Plus la combinaison, plus lourde sera puissante. Utiliser les attaques lourdes contre des griffes. Je l'empêtrerai dans tous ces maudits gongs. Nouvelle de frère Darius, du commandant. Ok. C'est un nouveau. Allez, mes petits lapins. Appuie sur LB pour effectuer une parade. Les attaques avec l'ennemi peuvent être parées. Les parfaites à petite taille vont chanceler l'ennemi. Est plus grand. Ok. Voilà les gars. Pète des culs ou? Comme ça qu'on joue les gars.
pirates, ils font ultra mal. Hein. Oh la vache, c'est plus des petits potes-potes là, mais... Oh la vache, et on est tout seul. Salut! Viens frérot! Alors, appuyez pour esquiver une attaque rouge, ces attaques ne peuvent être parées. Appuyez pour, okay, pour verrouiller. Ouais, c'est... Oh, c'est un contre un là, les gars. Oh, bien joué! Oh, l'exécution! Ouais, je peux l'exécuter avec un coup de grâce. Bon, allons retrouver nos potes. Putain, c'est beau. Putain. Alors, vous voyez, quitte à. On joue à Star Wars en parallèle. Je préfère un jeu magnifique comme ça. Qui doit durer allez, une dizaine, douzaine d'heures. Sur un monde ouvert, vous voyez. Là, au moins, vous savez que la campagne va être exceptionnelle. Allez, moi, c'est reflé dans l'eau là. Darius. Oh. Mon frère. Je leur rendrai au centuple. Pistolet. Ce bolter rugira en votre nom, Darius. J'en fais un serment. Approche, vermine. Comme ça, les gars. Hein. Il y a une légère assiste. Ouais, il est pas mort lui. Petit réflexe. Ok. Oh, j'adore tirer avec cette arme là. Tais-toi. Pourquoi je joue au corps à corps avec eux? Les munitions partent vite. Hein, mais... C'est pas par là. Oh, bah maintenant ils ont des snipers. Toujours plus hein. Putain, tout ça c'est des ennemis, vous imaginez le bordel que c'est, on est tout seul. Le space man. Nous allons manquer de temps. Kill team, je suis sur le site du crash. Récupérer la bombe virale. Allez, venez! Je vous attends, les pédés!
Que ton Tom y arrive, Mathieu. Béret, mon frère. Oh, notre bon. Dévotion honore l'Imperium. Encore un qui est mort. Récupérons la bombe virale. Si vous m'entendez, j'ai la bombe virale. Je me dirige vers le silo orbital. C'est comme ça que tu mords, Xeno. Prends ça. Oh, on va plus l'esquiver. Allez, exécute-le et la tue ton pote. Putain, mon copain, il est mort. Bonjour. Les gamins. Coupé. Bon, ça va, ils sont pas. Oh, vas-y, tire réflexe. Bam. Ça c'est beau ça les gars. Ça c'est d'exécution bien faite et bien posée. J'espère qu'on va retrouver un copain. Oh, une jambe. Ah, je crois qu'il s'est fait. Tu as bien servi l'empereur, mon frère. Encore un mort, quoi. Enregistrement. À toute unité impériale qui retrouve ce journal. Ma kill team s'est écrasée à l'écart de l'objectif. Tous mes frères ont été tués. Par les tyrannides. J'ai la bombe virale. Je me dirige vers le silo orbital. L'explosion stratosphérique permettra de répandre le virus sur les positions tyrannides. Allez. Ça me fait beaucoup penser à du gameplay Gears of War. Et étant donné que j'ai adoré cette série, c'est génial. Franchement, j'adore. Ouais, il va falloir que je revoie ma visée là. Ça va pas du tout. Grossir la vue. Ah oui, d'accord. Bah alors les filles, on galère. On n'arrive pas à me tuer. En même temps, je suis le commandant quoi. Je suis le
peu plus fort, on va dire. Logiquement. Bonsoir. Hop là. Suite du journal. Le virus est notre unique chance de ralentir l'invasion tyrannide. Le virus va se répandre dans leur rang. Ils s'adapteront, mais cela va les ralentir. Le virus doit être lancé vers la stratosphère. C'est tout ce qui compte. Et ben allons-y. Alors je pourrais pas vous parler de Warhammer 40 000, donc tout ça, parce que je ne connais rien du tout au Space Marine. Bam. Allez, bâtard! Allez, bâtard! Ah! Allez, lui, hop, hop! Terminé, bonsoir! Voilà, Roméo. Vous savez pas me casser les noix? Ça va être une grande campagne, je le sens. Ils sortent de ces machins. Collège tardif de l'opérateur. Votre retard a été signalé et sera examiné ultérieurement. Ouvrez les portes. Chronomètre de service réinitialisé. Vous êtes à part de service. Accomplissez l'œuvre de le bon messie comme le veut la divinité. Il est pas mort, con là. Ils font mal ces cons là. Ouais, il est mort le monsieur. Installons la bombe virale. Insertion de la charge. En cours. Règle la trajectoire pour une détonation stratosphérique. Le rite de préservation doit être accompli. Cherchez un autre Magos accrédité sur la console de commande. Ouais. Oh, des grenades. J'aime bien ces petites bestioles, t'en fais ce que tu veux quoi. Après je pense que le nombre peut très très vite te foutre dans la merde. Mais ça se tente. J'aime beaucoup les structures comme ça, ça me fait vraiment penser à Gears. Hein. C'est un truc de fou. Esprit de la machine, quel est l'état du silo orbital? En hibernation. Console inactive depuis 22 heures.
Cette empiété envers le Messie a été consignée. Activez le système de lancement. Le rite d'initialisation doit être accompli. Cherchez un autre Magos accrédité sur la console de commande. La console de commande est située au bord de la plateforme d'observation. Un Magos va venir vous aider. J'en doute. Je sais pas ce que c'est un Magos, ça doit être un ingénieur, ou... je sais pas. C'est sacrément grand ici. On va récupérer les munitions. Vous êtes en train de me dire que tout ça là, c'est des ennemis là. Oh tiens. Mais on est dans la merde. Oh le peuple sa mère. Non, dégage toi. Ça le prix de question, rien. Ils sont peut-être un poil nombreux là, non? Bam. Le fameux Titus. Oh le bâtard. Voilà. On est complètement encerclés les enfants là. Vos blessures me rappellent.
votre souvenir. Attendez! Je suis en panique! Bien joué, Satitus! Fume-le! Ok. J'ai plus de. What? Exécute-le! Oh, bien joué, ça! Oh là là, incroyable! Merde! Attendez, lui. Regarde les trois petits PD là. Et vas-y. Voilà. Il est gros, lui. Comment on esquive? Ah, mais ça écrase. On va crever. Il est intuable, le machin. Ah, imaginez, je le tue! Oh. Ouais, je pense que... Soit l'empereur. Votre blessure était fatale. C'est la chirurgie Rubicon qui vous a sauvé la vie. On vous a reconstruit. Vous êtes un Primaris désormais. Pourquoi? Le seigneur Khalgar a donné l'ordre en personne. Il est là? Non. Le Primarque l'a convoqué. Je dois retourner à la forteresse du Guet. Vous avez été réaffecté. J'appartiens à la Death Watch. L'Inquisition n'a décelé aucun vice en vous, Titus.
Accusé d'hérésie, vous avez fait pénitence dans la Death Watch pendant près d'un siècle. Et vous n'avez pas failli une seule fois. Mais vous ne connaîtrez jamais la rédemption avant d'avoir affronté le jugement de vos frères. Faites enfin vos preuves, et vous serez parfaitement absous. Quelle est votre vie ? Mon honneur est ma vie. Quel est votre destin ? Mon devoir est mon destin. Quelle est votre crainte ? Ma crainte est d'échouer. Quelle est votre récompense ? Mon salut est ma récompense. Quel est votre fils ? Mon office est la mort. Quel est votre serment ? Mon serment est le service éternel. La chirurgie Rubicon vous a reconstruit, et vous êtes devenu un Primaris. Vous êtes désormais plus fort, plus rapide, et plus résistant. Vous allez reprendre votre place au sein des Ultramarines. Vos frères sauront que vous avez servi dans la Death Watch. Mais la mention déshonorante de votre statut de bouclier noir a été effacée des archives. Et si cela venait à se savoir, cela n'irait pas sans soulever des interrogations. Le Seigneur Khalgar vous a offert une seconde chance. Ne la gâchez pas. Alors, avant de démarrer, on va faire un petit récap. Il y a eu un Space Marine 1 qui est sorti il y a des années de ça. Et en fait, la mission, c'était que Titus devait tuer un... C'était quoi ? C'était un inquisiteur, je crois, qui a été corrompu par le chaos. Et en fait, le warp, en fait, la puissance du chaos, Titus a été en contact avec ce warp-là. Ça ne lui a rien fait, ça a posé des questions à l'inquisition. Du coup, une fois qu'il a tué le boss, etc., il a été chopé, il a été torturé, etc., pour savoir s'il était corrompu par le chaos. Et pour sa punition, il a été, si je dis pas de bêtises, envoyé dans la Death Watch pendant près d'un siècle. Et là, on voit la fin de sa pénitence dans la Death Watch. Un Primaris, pour vous informer, en fait, Titus à la base, c'est un Space Marine de base. C'est-à-dire que c'est juste qu'il est ultra fort de base. Il a été entraîné physiquement, etc. C'est l'un des premiers. Ce qu'ils appellent les Primaris. C'est des humains qu'on récupère, qu'on modifie génétiquement en rajoutant des organes, etc., pour qu'ils soient beaucoup plus forts et beaucoup plus rapides que tout le reste des autres humains. Donc voilà, là on l'a modifié pour qu'il devienne Primaris. Voilà. Pour le côté un peu. Je me suis renseigné quand même un tout petit peu avant de venir parce que il y a tellement un lore exceptionnel. Mais n'hésitez pas dans les commentaires si j'ai dit des bêtises ou quoi, ou à me corriger ou à rajouter des éléments sur ce que je vous ai dit. Il n'y a pas de problème, ce sera grand plaisir de le lire. En fait, votre rapport au capitaine Achern. La tenue est badass. Hein. Attendez, Major. Envoie des instartes en renfort. Merci, Seigneur. Nous allons préparer une contre-offensive. Les effets de la bombe virale s'estompent déjà. Trouvez-moi des éclaireurs pour. Monseigneur, lieutenant Demetria Titus au rapport.
Appelez le sergent Gadriel sur le pont. Et vos blessures ? Ça va mieux. Je vais être franc, Titus. J'ai mes des réserves quant à votre réintégration. Elle va entraîner des questions, des doutes. L'heure n'est pas à la discorde entre mes hommes. Pas maintenant. Vous êtes lieutenant désormais. Ce ne sera pas un problème ? Non, capitaine. Très bien. On affronte une flotte ruche de tyrannides. Ils ont attaqué sur deux planètes. Avarax, un monde ruche, et Kadaku, que vous connaissez déjà. On abandonne Kadaku. Ce sont des installations de recherche de l'Adeptus Mechanicus. On évacue le matériel et le personnel critique. Ces canons de défense veillaient à la circulation de nos vaisseaux. Les tyrannides l'ont bien remarqué. Rendez-vous là-bas et protégez ces canons. Capitaine, vous m'avez demandé. Sergent, voici le lieutenant Titus. Il prendra les commandes de votre escouade. Chef, je... Soyez sur le terrain dans 30 minutes. Allez, rompez. Lieutenant, pardonnez mon hésitation. Je ne m'attendais pas à une telle tournure des événements. Moi non plus. Sergent Gadriel, l'absolveur est prêt pour le départ. Frère Chiron, voici le lieutenant Titus. Il va prendre la tête de notre escouade. Ah, vraiment ? Eh bien, je me réjouis d'avoir un commandant si expérimenté. Le reste de l'escouade est prête ? Elle est déjà réunie sur le pont. Bien. Nous partons immédiatement. Les partis aussi sont d'ailleurs disponibles à inviter des amis. Ah d'accord, ok. On peut partir de là. Donc c'est, on a fini le tuto, on va partir pour la première mission. Et une fois la première mission faite, je pense qu'on va, on va s'arrêter là. C'est pas une belle vidéo, je pense. On est déjà à 43 minutes. J'aurais pu m'arrêter là. Mais est-ce que je vous laisse languir ? Non, je suis pas comme ça. Quelle est notre mission ? Ah oui. Les Cadiens ont perdu le contrôle des canons orbitaux. Nous devons les recapturer. Ils les ont déjà perdus ? Les tyrannides lancent des vagues entières de spores vers ces canons. Je suis impressionné que les Cadiens aient tenu si longtemps. Frères Lyreo, Altareus et Elion composent le reste de notre escouade. L'un de vous a-t-il déjà affronté des tyrannides ? Juste ces deux derniers jours. Alors vous allez devoir apprendre. Ah, j'ai hâte. Vous faites quoi, là ? Oh, ça va chier. Ces ogives ne sont pas bien attachées. Savez-vous ce qui arrivera si l'une d'elles se détache ? Dommage que les effets de la bombe virale n'aient pas fait le feu. Les manches d'argent ? Mes frères, le lieutenant Titus nous a rejoints. Bienvenue, mon frère. Nous sommes sous vos ordres. Nous partons sur le champ. Oui, lieutenant. Ok, c'est parti. Chef, vous avez servi dans la Death Watch. Oui. Ça a dû être un grand honneur.
C'est un privilège de servir avec vous. Zone de largage en approche. On y va. Regardez ces clous de service. Notre lieutenant a plus de 200 ans. Il n'est pas primariste de naissance. En effet. Et il commande à votre place. Major Sarkana, 8e régiment Cadia. Major, faites-moi un rapport. Ces maudites créatures ont pris les canons orbitaux. Elles nous ont repoussés jusqu'à ce camp et préparent leur assaut final. Lyreo, prenez Altareus et Elion et restez ici pour protéger le camp. Oui, mon frère. Major, il faut atteindre les canons de défense. Oui, monseigneur. Suivez-moi. Oh là, on a des gros pétards. Oh, le chantier, toi. Ces infâmes gargouilles ont envahi le ciel. Les canons orbitaux sont aux mains des tyrannides. Oui. Ces attaques incessantes rendent toute forme de riposte difficile. Nous allons nous en occuper. Oh là là. Let's go! Ils sont beaucoup trop nombreux. C'est ce que nous allons voir. J'espère que vous comptez les points, mon frère. Oh, bien entendu. Putain, mais les mecs, ils sont pas inquiets, quoi. Il y a 8 milliards de gars. Et voilà! Et c'est parti, les gars! Bienvenue dans la guerre! Oh putain, il est déjà là, lui! Hop! Bam! Voilà, c'est... Monseigneur, nos éclaireurs indiquent que de nombreuses nuées s'approchent de notre position. Montrez-nous où ils sont. Transmission des coordonnées sur votre affichage au Spex. J'adore des hosties. Monseigneur, nous allons effectuer une frappe aérienne. Pouvez-vous retenir les pieds jusqu'à la fin de nos préparatifs? C'est comme si c'était fait. Vous en aide? J'espère que l'IA. L'IA de nos coéquipiers sont pas 2B. Ils sont un petit peu compétents quand même. Ça sert pas mal là. Ne laissez aucun survivant. Ça, bonsoir. Bam. Oh bah j'ai un couteau. Oh, incroyable. Fumez-le lui. Exécution. Voilà. Oh, j'adore. Oh putain de merde. Et on là-dedans. Là on n'est pas Space Marine pour rien. Oh, elle est une machine mon pote. Merde. Ah putain, je me trompe de. Oh, tuer. C'est un duel. Oh, j'adore. J'adore ce qui se passe là. Hop, on les gorge. Hein. Terminé, bonsoir. Je dois recharger. Cible détruite. Ah, dans la tête. Ah, c'est chaud, mes potes. Hein. Putain, ça va vite les munitions. Hein.
Oh, bien joué ça, vas-y. Ballon à 5-7, oui. On l'exécute. Oh, incroyable, j'adore. Un tyrannite. Là, ils ont peut-être des... Ils ont quand même des petits tirs, quand même. Voilà, il y a un mec là. On fonce. Oui, exécute-le. Voilà. Je recharge. Sur un pis. En plein bon. Ville, Major. Jouez ça. Le huitième ne rate jamais sa cible. J'adore ce jeu. Nous vous devons tous la vie, mes seigneurs. L'empereur nous protège. Nous devons traverser la jungle jusqu'au canon de défense orbitaux. Frère Léo, aidez les Caniens à établir des lignes de défense, puis revenez au rapport. Mais maintenant, ce ne sera pas long. Les canons orbitaux sont situés de l'autre côté du marais. Soyez sur vos gardes. Les tyrannides nous attendent au tournant. Oh, ça y est, je retrouve ma petite épée tronçonneuse. J'aime beaucoup. Ils ne passeront pas. Vous ne passerez pas. C'est sans doute de là que vient la nuée. Ces carapaces. Tiens, lance-grenade intégrée. Ça plus ça. Des machines organiques vivantes. Exact. Leur vaisseau, leur capsule, tout est vivant. Leur existence même est une hérésie. Nous devons réduire leur nombre sans tarder, mon frère. Oui, mon frère. Maraudeur, ne vous immobilisez pas. Quoi ? Ah, j'adore, putain. Oh putain. Wouh. Ouais, ils sont tous rouges là, comme ça. Oh putain, la... Oh putain, je suis en panique. Rechargement en cours. Ah, j'ai pas la touche, j'ai crevé. Stimuli. Wouh. Voilà, cool, voilà, voilà. Bien ça, les gars. Je dois recharger. Putain, la gueule. Ah, j'ai pas encore les touches bien intégrées là. Le A pour esquiver. Munition sécurisée. Paul. Voilà. Alors les gars, galère. Bien joué ça les gars. Voilà. Belle coopération, ça j'aime beaucoup. Attendez, il y a des munitions là. C'est muni. Ravitaillement en cours. Munitions, parfait. On y va les gars, on y va. J'ai récupéré des munitions, parfait. J'espérais mieux de la part des Cadiens. La perte des canons orbitaux nous a coûté cher. Et ils l'ont payé au centuple. Mais l'ennemi dispose encore d'une force considérable. Le huitième des Cadiens va devoir faire. C'est particulier ces portes-là, là. Connaissez-vous bien cette menace, mon frère ? Très bien. En quoi les tyrannides sont différents des autres Xenos ? Ils constituent un incessant fléau. Mais ils sont rusés. L'influence de l'esprit ruche leur permet d'agir à l'unisson.
Prudence. Les spores explosent lorsqu'elles détectent une menace proche. Dans ce cas, nous allons prendre les devants et les détruire. Ok. Bien, l'IA est très réactive, j'aime bien. C'est ça que je voulais faire. Doctrine de combat sont inhabituelles, lieutenant. À quelle compagnie apparteniez-vous avant celle-ci? J'ai servi l'empereur d'une autre façon. Dans la Death Watch? En effet. J'espère pouvoir un jour partager un tel honneur. C'était pas vraiment un honneur, hein. C'était plus une punition, mais bon. Dans l'absolu. On doit aller par où là? Munition sécurisée. Ça doit être par là, j'imagine. Mon Dieu. Un chantier, mon gars. Oh non. Je dois faire. Ah, j'ai pas compris. Il est là, ce bâtard. Putain, mais. Nouveau chargeur. Récupération. C'est bon, on a des points de vie déjà, c'est pas mal. Il est là, il est là. Merci mon frère. Je comprends pas ça. Comment... Enfin le A là, j'ai pas. Voilà. Ah, chasse de tête à main nue, mon gars. Parle ce machin. Ça c'est du coup de pied rotatif. Le chemin le plus direct traverse les marais. Allons-y. Non. Ces marais sont infestés de Xenos. Il y a un bunker qui enjambe l'île de la rivière. Nous allons passer par là. Cela nous retarderait considérablement. Je suis sûr que... Nous ne sacrifierons pas la tactique au profit de la vitesse. À vos ordres. Lieutenant, le capitaine Akira nous a donné de nouveaux ordres. Vous devez continuer seul. Compris. Merci, Lirio. On se voit sur la résiliette. J'aime beaucoup le bolster lance-grenade, là. Et voilà. Les canons orbitaux. Putain! Rechargement en cours. Merde! C'est bien d'avoir un peu d'IA. Un tyrannide. Saloperie là. Ça faille dans tous les sens, hein. Putain. Oh là là, ce carnage. Me ravitaille. Eh hey, mon gars. Recharge. Soit t'es intelligent, soit tu l'es pas. Bon, c'est de l'autre côté là. Aïe.
Ravitaillement en cours. Ah oui, d'accord, le mec il fait ça. Ah, ok. Munitions sécurisées. Rechargement en cours. C'est sa vie, l'IA. Pas mal, ça, j'aime bien. Chef ! Chef ! J'entends les renforts. Chef, chef ! Me ravitaille. Ils sont quand même relativement loin, les canons. Hein. On a une heure de vidéo, j'espère que ça vous plaît. Ah, il y a les copains. Des anges, on est sauvés. Oui. La journée s'annonçait pourrie. Et je pense qu'on va s'arrêter là. Et oui, je coupe tout en plein milieu, les enfants, mais on est à une heure. Et je ne veux pas faire plus. Merci à tous d'avoir regardé ce premier épisode de Space Mind 2. J'espère que ça vous aura plu. Moi, je vais enchaîner directement. Je vous dis à demain, parce qu'on va enchaîner l'épisode 1 et l'épisode 2. On va les enchaîner. Je vous dis à demain à 19h. N'oubliez pas de liker, commenter, surtout de vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Je vous dis à la prochaine. C'était Jeunice. Ciao, ciao.